Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد. محمد. رسول الله. Donc à présent, les enfants, on va expliquer qu'est-ce que c'est que l'islam. Donc on a dit que l'islam, c'était une religion, c'était la religion de vérité, c'était la seule religion qu'Allah Azza wa Jalla acceptait. Mais ça veut dire quoi lorsque tu dis « je suis musulman » Qu'est-ce que ça veut dire « je suis musulman » C'est-à-dire que tu appliques l'islam, oui. Qui peut me donner une autre réponse? Alors un musulman, c'est-à-dire que son cœur, touchez votre cœur, il est où le cœur? Il est à gauche ou il est à droite? Ou il est au milieu, ou il est en bas, ou il est en haut? Voilà, il est ici, plus vers la gauche, d'accord? Dans le cœur, notre cœur, il est soumis totalement à Allah. C'est-à-dire que le musulman, il sait qu'Allah Azza wa Jal, il voit, il sait, il entend, il fait, il contrôle, il surveille. Il gère également. Le musulman, il sait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a tout créé. Qui a tout créé? Allah. Qui a tout décidé? Allah. Qui donne la subsistance, la nourriture à tout le monde? Qui fait descendre la pluie du ciel? Allah. Qui fait pousser les plantes de la terre? Allah. Qui entend tout? Allah. Qui sait tout? Allah. Qui voit tout? Allah. Qui contrôle tout? Allah. Qui gère tout? Allah. Qui surveille tout? Allah. Qui contrôle tout? Allah. Qui a tout créé? Allah. Qui nous donne la vie? Allah. Qui nous donne la mort? Allah. Qui nous donne la santé? Qui nous donne la maladie? Allah. Lorsque je suis malade, qu'est-ce qui me guérit? Allah. Qu'est-ce qui me guérit? Allah. Qu'est-ce qui me guérit? Allah. Donc le musulman, oui. Il sait que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a créé. Donc, comme tu sais qu'Allah il t'a créé, comme tu sais qu'Allah il te voit, comme tu sais qu'Allah il t'entend, eh ben tu vas te soumettre à lui. Tout ce qu'il te demande, tu vas le faire. Et tout ce qu'il t'interdit, tu ne vas pas le faire. Donc tu vas lui obéir. Donc ton cœur, il est soumis à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Également ton corps. Lorsqu'Allah Azza wa Jal te demande de faire quelque chose, tu le fais. Et lorsqu'il t'interdit une chose, tu ne le fais pas. Et également le musulman. Il se désavoue du shirk. Il se désavoue de ceux qui adorent autre qu'Allah. Parce qu'il y en a qui adorent autre qu'Allah. Est-ce qu'on a le droit d'adorer autre qu'Allah? Est-ce qu'on a le droit d'adorer des statues? Non. Est-ce qu'on a le droit d'adorer des prophètes? Non. Est-ce qu'on a le droit d'adorer des anges? Non. Est-ce qu'on a le droit d'adorer nos parents? Non. Est-ce qu'on a le droit d'adorer des animaux? Non. Des vaches? Des sages? Non. Parce qu'il y en a qui adorent des vaches. Au lieu de faire la prière pour Allah, ils font la prière pour une vache. Au lieu de faire la prière pour Allah, ils font la prière pour un singe. Au lieu de faire la prière pour Allah, ils font la prière pour une statue. Et le musulman, il déteste cela. On n'est pas content. On n'aime pas tous ceux qui adorent autre qu'Allah. C'est-à-dire que dans notre cœur, quand on voit quelqu'un qui adore autre qu'Allah, on n'est pas content. Et nous,
on se tourne vers Allah et on adore seulement Allah. On fait la prière pour Allah. On obéit à nos parents pour Allah. On fait les bonnes actions pour Allah. C'est pour ça que le musulman, il dit La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah.